On se promène et tout d'un coup, y a une feuille qui nous fait signe et elle n'est pas là. Le soleil dessine l'ombre d'une feuille, d'un arbre, sur le tronc d'un autre arbre. C'est-à-dire, c'est là, et en même temps, c'est pas là. J'imagine la graine qui va devenir plante, mais qui est déjà plante quand elle est graine. Il y a tous ces plans-là qui se contiennent en même temps. Je marchais. Il y a un temps, J'ai. et en même temps, il n'y en a pas. Il existe parce qu'il agit sur nous. On l'a peut-être créé. Compris. Il y a un rythme en tout cas. Que le temps n'existait pas. Et c'est le rythme qui crée le temps. J'ai pris conscience de ça. Notre rythme de croissance et de décroissance. J'ai compris qu'on était dans l'illusion de l'espace-temps. Que c'était une illusion d'homme fabriquée par l'homme. Est-ce que c'est des choses qu'on contient aussi. Et que tout ça, c'était une rambarde d'escalier. À l'intérieur de nous. Comme si on pouvait devenir haut. J'ai compris que tout. Élan. Ça, tout ce qu'on m'avait appris. Petite cabane. Au bord tout ce de qu'on l'eau. projetait pour moi ou ce que je projetais L'air. moi-même. On la voit pas, mais on la sent. N'était qu'illusion. Ça m'a confirmé que moi, il me fallait autre chose. Devenir haut. Élan, petite cabane. Je me suis donné les moyens de le faire. Au bord de Et du coup, la marcher, motivation. Ça a forcément un autre impact. Et je me suis vue progresser. Quand on n'a pas peur du vide. Parce je me concentrais vraiment sur ça. Parce que c'était. On prend une forme. Ce qui me plaisait. Quand on meurt, tout se disperse. On a des plus grands pieds. On se contient plus. Je me sentais libre. Ça continue à vivre d'une autre manière ailleurs. Parce qu'on fait des plus grands pas. Mais c'est plus. Et puis surtout parce qu'on s'en fout de la grandeur du pas qu'on fait. Aimanté par cette On espèce marche. De soi. C'est tout. Le lien qu'on a avec toutes ces choses-là. On va être T'es mis à bah, battre même et à reconvoquer. À se diviser. Cette charge vitale. À piocher sur des millénaires et contenue d'évolution. Dans une petite cellule. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a même plus d'individualité. Qui nous traverse. J'ai compris tout ce qui était hors du temps. À qui on ne laisse pas trop de place. Stéréotypé. On meurt. Je ressentais Mais plus tout. Les limites. Elle se balade. Mon esprit pouvait vraiment présente. Voyager très loin. Elle va ailleurs. Certainement que j'ai dû m'ouvrir ou accepter. C'est universel. Pour la première fois, je Il y sentais a beaucoup que je faisais partie de d'un tout. Et j'avais plein d'informations. J'irais même jusqu'à dire que l'air. Je faisais l'univers. Sur le moment, c'était précis. Une énergie qu'on se repasse. Il n'y avait plus de l'autre, moi, C'est quelque nous, chose qui tous est confondés. Comme si. En soi, j'avais lu un livre. Arrivé, t'es là, je le savais. Devenez un immense tout. J'ai pas eu besoin d'apprendre. Il y a toujours on se restreint. Un petit grain. C'est une petite réalité. Quelque chose. J'ai compris à ce moment-là que. Il n'est pas avoir. Que j'avais certainement oublié. Parce que c'est tellement harmonieux, tellement simple, tellement serein, tellement beau. L'humanité. J'ai ressenti vraiment l'unité. Je crois que j'ai franchi une porte. Première cellule.
il y a 4 milliards d'années. Chaque être